Sinon, je vais devoir partir à Dubaï, me refaire les seins et tout, et j'ai pas envie. Alors, je vous en supplie, allez voir le film. Voilà, il faudra l'aider quand même. Je pense que dans la période actuelle, je pense qu'avec tout ce qu'il y a, c'est un film qui fait du bien, qui donne pas de leçons, mais qui j'espère, fait rire et fait passer un bon moment. Ça fait une. Deux, je pense qu'on l'a fait avec le cœur, avec honnêteté, pour se connaître, se rencontrer, se retrouver, mais artistiquement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc artistiquement, le film, il est là. Il est fait avec beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse. C'est un mec attachant, en fait. Et le personnage de Momo nous amène dans une histoire émouvante aussi. Voilà. Donc je pense que ça vaut la peine, si on aime rire et être un peu ému, d'aller voir ce film. Et trois, parce que moi, je suis en début de carrière et que j'ai besoin d'un film qui fasse un gros score. Et moi, j'ai besoin, en fin de carrière, d'avoir un film quand même qui marche. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin.